Il y a des particularités sur des terrains, des fois avec les verts, tu sais, tu joues en descendant, tu joues en montant. Puis quand tu joues en descendant, moi, je suis tout le temps de me demander la force, puis surtout l'alignement que je dois avoir pour me rendre au trou. Là. Exact. Bien, spécialement au Château Bromont, il y a des pentes assez, assez agressives sur les verts. L'effet de la montagne aussi a une influence, nous donne des effets visuels qui sont durs à voir. Comme là, tu as tout un pote. Là, j'ai vraiment un pote très en descendant. Tu vois, la montagne est derrière moi, donc je pote avec la montagne. Donc, je vois que ça descend, mais ça descend encore plus que mon œil peut le voir cause de la montagne. Fait que j'ai un pote de 20 pieds, mais bien honnêtement, qui est quand même assez droit. Mais moi, comment j'analyse ça, c'est qu'il faut vraiment accorder une vitesse à la gravité. La pente va me donner une vitesse. Ouais. Si je frappe sans tenir compte de ça, bien, je vais avoir la force de 20 pieds. Plus la gravité, je vais dépasser de 15-16 pieds. Mais comment tu l'analyses dans ta tête? Tu te dis-tu, c'est comme si j'avais un pote de 6 pieds, mettons? C'est en plein ça. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est, un, je vais aller chercher ma lecture de verre. Comme ici, c'est assez droit. Maintenant, ça va peut-être casser un petit peu à droite. Et après ça, je vais aller me chercher un point intermédiaire qui est environ ici. Comme là, j'ai un pote de 20 pieds, mais je vais poter comme si le trou était là. Exactement. Comme si mon trou était là, puis je m'occupe plus du tout de la coupe là, à l'autre bout. Fait que, en faisant un pote, j'ai un pote de 20 pieds, mais en faisant un pote d'environ 4 pieds, avec la pente, je vais me rendre au trou facilement. Et ce que je veux, c'est que la balle vienne mourir au trou. Et ça descend. T'as vu comment? Fait que là, j'ai réussi mon objectif. Si j'en donne un petit peu plus, ça se peut que je me ramasse 4, 5, 6 pieds l'autre bord. Totalement. Ah non, vraiment. Fait que t'as vu comment ça n'a pas pris beaucoup. Fait que ça, faut vraiment faire l'analyse de tout ça avant de poter, plutôt que de le réaliser après une fois passé de 10-15 pieds le trou. C'est fou. Tu vois, là, t'as des chances qu'elle tombe. On dirait qu'elle n'arrête jamais. Oh, que c'était bon. Fait que tu vois, c'est vraiment, là, pour faire un résumé, une fois qu'on a établi la ligne, c'est d'aller chercher un point intermédiaire. On oublie le trou, puis on focus sur notre point intermédiaire. On amène notre balle là, puis la gravité va faire le reste pour nous. Oui, totalement. Puis tu sais, la conversion qu'on fait dans notre tête est bonne, dans la mesure où tu évalues à peu près ce que tu penses. Tu te donnes une distance. Moi, je marche beaucoup comme ça. Je mets un pote de 6 pieds, fait que mes mains enregistrent que c'est en plein ça. 6 pieds de force. Et voilà. C'est un super truc. OK, do. All right. On continue? Yes.